Il y a toujours un jour où c'est le jour et c'est aujourd'hui la philosophie, l'épreuve reine qui annonce le début des épreuves du bac. Rituel pour ce chef d'établissement, l'ouverture du coffre-fort où sont enfermés les sujets depuis le début de la semaine. Donc, philosophie, jeudi 16 juin. C'était émouvant ce moment ? Toujours un petit peu, oui. Toujours, on pense à nos jeunes. Pour eux, c'est ce matin, ils ont dû se réveiller, un petit peu le cœur serré. Les parents aussi, je pense que partout, on s'est préparé. Le passage de la philo, un jour dont on se souvient toujours, c'est l'événement qui vous fait rentrer dans la vie adulte. Pour les lycéens, pression inévitable ce matin et petite nuit. Un gros stress quand même, c'était assez... Enfin, ouais, non, mal dormi. Dormi moyen, un peu stressé, ça c'est normal. Non, j'ai pas trop révisé moi la philo, je sais pas. C'est pas mon truc. J'ai assez assuré tout au long de l'année, donc si je loupe mon bac philo, franchement j'aurais un peu le seum. Vérifiez que les téléphones soient bien éteints à l'intérieur du sac. Un portable, il y a parfois de grands moments de solitude dans la vie et chacun a apporté avec lui les objets qui rassurent. Le réveil, c'est pour que je m'endors. Non, c'est pour regarder l'heure. 8h pile, moment redouté, l'ouverture de l'enveloppe. Dans la tête des élèves, les notions s'entremêlent. Passion, liberté, justice, conscience et l'instant de vérité en ES. Sujet 1, la liberté est-elle menacée par l'égalité? Sujet 2, l'art est-il moins nécessaire que la science? Et sujet 3, une étude de texte de Sénèque. Tu as déjà fait ton choix? Oui. Quel sujet? L'art est-il moins nécessaire que la science? Ça paraît facile. Non, mais il aborde pas mal de thèmes, donc ça devrait aller. Courage. Merci. 4 heures pour cette épreuve redoutée de réflexion plutôt que d'application et puis toute la vie pour répondre à la question.